empuanter vos ennemis en les bombardant de fumier enrichi au cacadois. Je sens que je vais adorer. Non, ma petite catapulte adorée. Je sens qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Jamais tu ne me parles comme ça à moi. Ouais, bah pose-toi des questions. Hein? C'est quoi ce puzzle? J'y comprends rien. Moi au moins, je suis en un seul morceau. Pour l'instant. Contente-toi de me dire que je suis la plus belle. Mon petit homme adoré, depuis quand on n'a pas fait une activité tous les deux? Hein? Rien qu'entre neveu et tantine. Depuis que je suis née? Ben justement, on va rattraper le temps perdu. Tu vas m'aider à construire une catapulte à fumier et on l'utilisera contre Donnelly. Balancer du fumier sur un policier, c'est mal, Tata. Et ma maîtresse, Mademoiselle Fossette, elle dit qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Non mais c'est quoi cette maîtresse qui lave le cerveau de mon neveu avec sa gentillesse dégoulinante? Pas. Je suis sûre qu'elle est moche en plus. Jeune, élancée, longue chevelure et sourire éclatant. Effectivement, il n'y a pas plus moche. Hein? Ben, comment t'as fait ça? T'as des pouvoirs magiques maintenant? Oh, à peine. Tiens, tiens. Et de l'autre côté, y'a quoi? Rien de spécial, juste... C'est quoi ce bazar? Bonjour, mademoiselle. C'est aujourd'hui le cours d'enseignement moral et civique? Le cours de quoi? Vous allez bien, Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Allez, file en classe. Je peux contrôler cette gourde d'instit en rentrant dans sa tête? Tu t'es bien gardé de me le dire, petit cachotier. Ça m'était sorti de la tête. Ben voyons. Et moi, je veux refaire un tour dans celle de Mademoiselle Gentillesse. Exécution. Oh, je vais inculquer à mon neveu le goût du fumier, ça va pas traîner. Et hop! Bien, première leçon. Pardon, mademoiselle, mais vous avez oublié de faire l'appel. T'as raison, tranche de cake. Alors, tête à claque présente, grosse tête aussi. Face de mouche, il est là. Bon, vous êtes tous là avec vos saltrognes. La leçon d'aujourd'hui est primordiale. Le monde est cruel, alors pour y survivre, il faut s'adapter. Donc à partir de maintenant, la triche est obligatoire. Et on hurle pour prendre la parole. Compris? Alors, le gnome, j'attends. Crotte, ça vous va comme réponse, mademoiselle? Zéro! Ça t'apprendra à me demander mon autorisation. Aïe! Qui a mis une punaise sur ma chaise? C'est moi. Ça vous pose un problème? Bonne réponse, l'effronté. 18 sur 20 en conduite. Quoi? Seulement 18? Non mais vous vous moquez de qui? J'adore. Parfaite maîtrise de l'insolence. 20 sur 20. Prenez-en de la graine, vous autres. Salut, mon neveu. Comment c'était l'école aujourd'hui? Tu t'intéresses à ma scolarité, maintenant. Si tu veux savoir, Mademoiselle Fossette veut qu'on s'endurcisse pour survivre dans ce monde de brutes, en oubliant le respect des autres. Ah! Elle veut vous endurcir pour vous protéger. Finalement, elle est moins tarte que je pensais. Mais alors, elle verrait pas d'un mauvais œil un petit coup de catapulte à fumier, histoire d'apprendre à se défendre? Là, tu pousses un peu, Tata.
Eh ben, t'as qu'à lui demander. Tu verras bien si j'ai raison. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Bah, ça a été, mais Mademoiselle Fossette était vraiment bizarre. D'ailleurs... En vie présente, je dois faire popo. Affiche-moi le visage de Tom. Oui, Tom, nous t'écoutons. Non, rien. Je suis un peu fatiguée, moi. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouh, c'était moins une. Affiche-moi la tête de cette godiche de Fossette. J'ai un cours à donner. Bon, quelles sont les choses les plus amusantes à balancer à la tronche des gens? Une tarte à la crème? Nul! Des détritus? Pas mal. Du fumier? Excellent! 20 sur 20! Tu vois quand tu veux, Tom. Alors, catapulter du fumier sur les gens, c'est bien? Évidemment! Et sur le lieutenant Donnelly, c'est encore mieux. Hein? J'ai pas parlé du lieutenant. Non, je sais. Mais je savais que tu en arriverais là. N'est-ce pas, petit génie du mal? Je vais aux toilettes, je reviens. Que ça vous plaise ou non. C'est Férocia qui est dans la tête de ta maîtresse. Et oh, miroir, la ferme, ça résonne dans ma tête. Prochaine leçon, prenez exemple. Hey, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es pas aux toilettes? Je sais tout! Laisse Mademoiselle Fossette tranquille! D'accord, à condition que tu construises ma catapulte. Sinon, Mademoiselle Fossette ne sera plus jamais elle-même. Miroir, empêche-la! J'aimerais bien, mais je lui dois obéissance. Je ne suis hélas que le reflet de sa volonté. Mais qu'est-ce que... Miroir, mon bon miroir qui me doit obéissance, écoute-moi bien, je t'interdis... Dis à tout jamais de contrôler les esprits. Cette interdiction est définitive et commence maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Miroir, reflète-moi le visage de Tom et que ça saute! Vous êtes tous collés pour un mois. Tom, la ponctualité est une question de respect. Donne-moi ton carnet que je mette un mot. Merci, Mademoiselle Fossette, merci, merci. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Bon alors, cette surprise. Ta-da! Oh!
Ma catapulte à fumier! Oh, merci, Tom! Attends un peu avant de me remercier. Mais non, Tom! C'est un malentendu! Je voulais pas l'utiliser!